Bonjour à tous et bienvenue dans le Critique Ciné ancienne version numéro 13. Et puis je vais commencer directement l'énumération des films que vous trouverez dans cette présente vidéo. Le premier film est Avant toi, il est classé dans le genre mélodrame romance. Le second film est Phénomène, il est classé dans le genre science-fiction psychologique fantastique. Le troisième film est un film français et c'est 20 ans d'écart, il est classé dans le genre comédie psychologique dramatique. Le quatrième film est Rebirth. Il est classé en genre thriller psychologique dramatique fantastique. Le cinquième film est Salaud, on t'aime. C'est un film français. Il est classé en genre psychologique dramatique familial comédie. Le sixième film est La La Land. Il est classé en genre comédie musicale romance psychologique dramatique. Le septième film est The Fundamentals of Caring. Il classe un genre psychologique, dramatique. Oui, voilà. Le huitième film est Un moment d'égarement. C'est encore un film français. Il classe un genre comédie psychologique, dramatique. Le neuvième film est Habemus Papam. Il classe un genre psychologique, dramatique, avec un côté très surréaliste. Et puis le dixième film, enfin. Et If You Love Me, il est classé un genre comédie, romance. Comédie-romance, tout simplement, je pense. Donc voilà pour l'énumération des critiques ciné ancienne version numéro 13. À demain pour le critique ciné ancienne version numéro 14. Merci à vous et à bientôt. Le premier film est Avant toi. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous raconte l'histoire de Lou, qui est une jeune fille romanesque, romantique, candide, généreuse, drôle, artiste, originale. Enfin voilà, là, je peux mettre comme ça des tas d'étiquettes sur elle. C'est une fille agréable, qui a 26 ans, qui n'a aucune ambition particulière, qui travaille, qui fait des petits boulots comme ça, à droite à gauche. Elle aide beaucoup sa famille, comme je disais, elle est très généreuse. Et puis, un jour, on va lui proposer un emploi un peu particulier, on va lui demander de s'occuper de quelqu'un. Et je ne sais pas s'il y a tous les éléments avant de commencer, mais en fait, on va lui proposer un poste pour aider quelqu'un qui est handicapé et qui est dans un fauteuil roulant. Mais cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'était Will Trenor, et avant d'être handicapé, il a eu un accident de plongée, je crois. C'était un jeune et riche banquier, quelqu'un de brillant, et pour imaginer, vous prenez Christian Grey. Vous le mettez en fauteuil roulant, c'est un petit peu ça. Le beau gosse, le mec intelligent, subtil. Mais depuis cet accident, il est devenu très cynique, très noir. Et du coup, il malmène un peu ses femmes, enfin les personnes qui sont venues l'aider, quoi, les personnes qui sont venues le superviser un petit peu. Il n'est plus devenu que l'ombre de lui-même, il est mélancolique, enfin bref. Il va pas très bien dans sa peau, et c'est légitime. C'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui a plein d'espoir, plein d'envie, et qui, comme ça, du jour au lendemain, s'est retrouvé cloué d'un fauteuil roulant, une place qu'il ne voulait absolument pas. Tout comme par ailleurs, Will ne souhaite pas non plus avoir une nouvelle femme, je dirais pas de ménage, mais une nouvelle femme, une nouvelle aide. Il n'a pas besoin de quelqu'un, il estime qu'il peut tout faire lui-même, alors qu'en fait c'est pas vrai. Il préfère rester dans sa mélancolie. Et puis Lou arrive, et puis Lou, c'est un rayon de soleil. Alors évidemment, il va d'abord falloir qu'elle chasse la lumière, qu'elle voulait voler, qu'elle essaie de communiquer avec lui. Il va se moquer d'elle, il va la rejeter, il va la repousser. Et puis, progressivement, on peut pas cacher grand-chose finalement, la bande-annonce en dit tellement, va se créer quelque chose entre les deux personnages, et Lou va tenter de redonner la vie à cet homme, va tenter de lui faire comprendre que même en fauteuil roulant, il y a encore des belles choses à vivre, qu'il est possible, s'il chasse ses idées noires, de voir la vie autrement, et que peut-être aller rentrer dans sa vie, pour cette raison-là, pour lui redonner un petit peu d'espoir, un petit peu de couleur. Donc c'est un très beau film Avant toi. Alors, qui a été très mal noté par la note presse, puisqu'elle donne 2,9, quoi qu'encore ça fait 3, mais la note spectateur est de 4,3 sur 5. C'est-à-dire que les gens ont estimé que ce film était presque la quintessence du genre cinématographique dans ce type drame-romance. Et effectivement, quelque part, alors qu'on a eu Twilight, une histoire de vampire un peu bancale avec une mélo-romance, quand même relativement mauvaise, à part pour les ados. Avant 3, avant 3 peut-être, je ne sais pas s'ils ont fait la guerre de 3 ensemble, mais Avant toi,
C'est une belle romance. Pour reprendre ce qu'aurait dit Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et c'est vrai que c'est une belle histoire. On se laisse prendre nos trucs. Les personnages sont agréables, le côté un peu ténébreux comme ça de Will, qui effectivement, avant, était sans doute un garçon plein d'ambition, plein de rêves, qui faisait, voilà, comme Christian Grey, hein, de l'hélicoptère, du deltaplane, il avait plein de sports, il aimait plein de choses. Et puis il se retrouve comme ça, cloué du jour au lendemain dans le fauteuil. Et puis la candeur et l'innocence de la jeune fille Lou, qui est comme un rayon de soleil quand elle arrive quelque part. Oui, elle serait capable de faire craquer n'importe quel mélancolique, elle serait capable de dire que la lumière est là, qu'elle existe. Et puis on a toujours ce contraste dans les histoires d'amour, et je ne peux pas cacher que c'est une histoire d'amour ou qu'il y aura une romance, une histoire de romance, où il y a le jeune garçon qui est un peu taciturne, qui est difficile à cerner, qui a une mauvaise réputation, qui n'est pas très agréable, comme dans ce grand classique, Dirty Dancing, on a le mauvais garçon, c'est Patrick Swayze. Et puis il y a la jeune fille qui est généreuse, qui est naïve, qui est candide, qui est presque dans ses premières histoires d'amour, qui est même dans les stéréotypes la vierge du film, quelque part. Et c'est ces deux rencontres improbables qui vont faire que l'un qui a un univers très ténébreux, l'autre qui a un univers qui n'est que lumière, qui vont se rencontrer et qui fait que la lumière, eh bien, va donner un peu plus de place dans l'obscurité d'un des personnages du film. Donc en ça, c'est très stéréotypé, mais c'est bien foutu. C'est agréable à regarder. Et je vais passer à ma conclusion. Tout simplement. Côté verso, Avant toi est un film mélo-romantique efficace. Sur des stéréotypes, certes, qui peuvent sembler très communs, même si on sent derrière la patte de l'écrivain. Qui donne alors au tout un côté véritablement romanesque, qui dans ce contexte s'avère particulièrement appréciable. Le prochain film est Phénomène, et attention, c'est pas le phénomène de Night Shyamalan, c'est le phénomène avec John Travolta. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de George Mallet, qui est un petit garagiste ordinaire, dans une petite ville ordinaire, qui a des amis ordinaires. C'est un gars gentil, candide, naïf, pas très intelligent, pas très subtil. Et ce soir-là, il fête son anniversaire avec ses amis, son 37e anniversaire, il a donc 37 ans. Ils boivent un peu plus que de raison, et puis à un moment... George repart tout seul, et en repartant, il va être victime d'un phénomène, puisque dans le ciel, il l'aperçoit comme un halo lumineux, qui va venir se rapprocher de lui, et qui a priori, je ne sais plus si on le voit réellement, nous on le voit, mais je ne suis pas sûr que lui le voit, va être frappé par quelque chose qui ressemble très fortement à la foudre. Donc il va se retrouver inanimé, et puis il va reprendre ses esprits, quelques temps après, ou le jour d'après. J'ai le souvenir qu'ils m'ont parlé à ses camarades dans le café, parce que vous avez vu un truc, j'ai aperçu un phénomène et puis je ne peux pas expliquer. Je crois qu'ils n'ont pas vu, je crois qu'ils n'ont pas été témoins du truc. Et progressivement, George va changer énormément, puisque eh bien, il va se découvrir, lui qui n'aimait pas lire ou qui peut-être n'avait jamais lu, il va commencer à écrire, enfin à écrire, écrire pourquoi pas, mais à lire des livres. Il va commencer à s'intéresser à tout ce qui concerne la connaissance, tout ce qu'il n'avait pas fait avant, la science, la chimie, la spiritualité, la physique, enfin des domaines qui ne l'interpellaient pas du tout. Il va se rendre compte que ses facultés intellectuelles ont très largement augmenté et qu'elles deviennent même complètement insoupçonnées, et que si avant il avait un QI à deux chiffres, eh bien maintenant il est plutôt près de presque de Einstein, quoi, quelqu'un de très très brillant. Évidemment, ça pose problème. Évidemment, ça lui pose question. Ses anciens amis ne peuvent pas le comprendre. Vous voyez, des gens du bar PMU à côté, il parle d'astrophysique, il parle de science, d'astronomie, de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il passe des nuits entières à rédiger des textes. Je parlais de textes, mais effectivement, je crois qu'il écrit, parce qu'il a ce besoin de retranscrire tout ce qu'il est en train de vivre. Et évidemment, il va se poser la question, et puis il va être attiré par d'autres sphères, d'autres milieux, et les milieux eux-mêmes viendront à lui, en comprenant qu'on a là à faire un phénomène incroyable. Tout simplement. Et je vais passer directement à ma conclusion. Phénomène est un film fantastique, efficace et véritablement bien écrit, qui montre toute la complexité d'un homme simple qui soudainement se découvre aux prises avec quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre et qu'il va détester tout autant qu'en être véritablement admiratif. Le prochain film est 20 ans d'écart,
Et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle d'une jeune femme, Alice Lantin, qui a 38 ans, qui est jouée par Virginie Efira. J'arriverai jamais à dire son prénom et son nom, je sais pas pourquoi. Elle est belle, elle est ambitieuse, elle a un travail où elle est brillante, elle fait preuve d'une impeccable conscience professionnelle, mais il y a un petit bémol dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas vraiment de vie privée. Qu'elle va à 100 à l'heure, que du coup elle ne pense pas à une histoire d'amour. Et ses collègues lui font comprendre qu'à 38 ans, on commence un petit peu à être vieillissante, qu'il serait bon pourquoi pas qu'elle redore son image, que potentiellement dans ce milieu-là, on peut vite être sorti par la jeune fille qui arrive, et que quelque part, il serait bien d'actualiser des choses dans sa vie. Elle a la possibilité de devenir rédactrice en chef d'un magazine important, Rebelle, bon, le nom du magazine importe assez peu, qui pourrait là aussi lui changer son image par rapport au public hein, et donner l'image d'une femme plus jeune. Mais encore une fois, il y a ce bémol du fait que, eh bien, elle est vieillissante et que sa vie ne ressemble pas réellement à celle qu'on pourrait imaginer. Et un jour, par le plus grand des hasards, dans un avion, je crois, bah, elle rencontre comme ça avec un jeune garçon qui est joué par Pierre Niney. Et puis, il a un truc à lui rendre en fait. Elle va oublier une clé USB ou quelque chose comme ça. Il va lui rendre. Il est très naïf, il est très candide. Il a 20 ans et quelques. Il a cette innocence et j'adore Pierre Niney. Je l'ai découvert dans ce film-là, je crois. Et je me suis dit que ce mec-là, ce serait un bon. Effectivement, j'ai vu d'autres films avec lui par la suite. Donc, il a ce côté très candide, très innocent. Et Alice va se dire qu'il pourrait être intéressant de créer une liaison avec lui. Pour peut-être redonner cette image un peu plus jeune. C'est peut-être pas vraiment sa seule pensée, peut-être qu'elle est un peu attirée par le jeune homme, mais en même temps, ils n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est que lui, il va l'aimer beaucoup, et qu'il est capable de donner beaucoup à une femme comme ça, belle, ambitieuse, et qui lui semble avoir toutes les qualités, mais elle va plutôt l'utiliser comme un faire-valoir. Et par exemple, lorsqu'il va venir la chercher au boulot avec un bouquet de fleurs, elle aura plutôt honte. Même si à côté de ça, ils auront des moments heureux, dans leur intimité, et où elle découvrait autre chose, mais ça, elle ne peut pas vraiment le dire. Elle va quand même utiliser à des fins personnelles ce jeune garçon qui se nomme Balthazar. Et j'ai bien aimé cette comédie romantique, j'ai bien aimé parce que Pierre Niney, comme je disais, parce que Virginie Efira, qui n'était, je crois, à la base qu'une présentatrice sur Canal+, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise actrice. Alors, ce n'est pas non plus une actrice incroyable, hein, je ne sais pas si on pourra lui donner des très très grands rôles. Mais elle n'est pas mauvaise dans ce qu'elle propose. De plus, c'est une belle femme. C'est une cougar, là, elle a 38 ans. Je pense que la vie réelle, elle a 40 ans et quelques. C'est une belle femme, ce qui pour un homme n'est jamais déplaisant. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ce film. Il m'a fait rire, il m'a fait sourire. Dès les premières scènes, dès la première introduction entre Pierre Niney et elle, voilà, il est tellement naturel, le mec, il joue tellement bien ce truc de la candeur. Il me fait penser à des gamins que j'ai dans ma famille. Et puis ça tient la route finalement. Et ce ne sera pas qu'une comédie romantique, ce sera plus caustique parce qu'évidemment, il y a des moments où Balthazar va pas être complètement naïf et il va se rendre compte que quand même, il est peut-être utilisé et il va essayer de se demander à quel point il peut l'être. Et je vais passer à ma conclusion, je pense que j'en ai déjà bien parlé, je ne veux pas trop dire du truc. En même temps, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, hein. C'est pas le genre de film où il y a des spoilers ou des twists incroyables à la fin. Donc voilà, je vais passer à ma conclusion. Côté Verso, une fois encore, le cinéma français prouve qu'il est capable de proposer du cinéma à la fois divertissant, mais également réflexif, s'appuyant sur un duo efficace et que pourtant tout oppose, pour une comédie légère et relativement dans l'air du temps, notamment grâce à la fraîcheur du rôle de Pierre Niney et au charisme magnétique de Virginie Efira en cougar désabusée. Le prochain film est Rebirth. C'est un film relativement méconnu. Et moi, je l'ai apprécié, peut-être que je ne peux même pas expliquer pourquoi, en un one shot. C'est-à-dire que je l'ai vu et j'ai aimé, en fait. Hein. Des fois, on ne peut pas expliquer, c'est comme ça. On a vu plein de navets avant. Et celui-là, c'est peut-être un navet, mais il nous plaît. Parce que la thématique nous intéresse, parce qu'il y a des choses qui nous interpellent. De quoi ça parle? Ça nous parle d'un homme qui est en couple, qui a sans doute des enfants, qui a une vie heureuse, qui a, j'imagine, un travail, tout pour être correct, sauf qu'il ne se contente pas vraiment de ça. Enfin, il manque quelque chose, il manque un petit peu d'aventure, il manque un peu de piquant, que ce soit au niveau sensuel, au niveau sensoriel. Il aimerait une vie un peu plus aventureuse, et il ne retrouve pas ça dans sa vie de couple très classique.
très banal. Et un jour, il va rencontrer un vieil ami à lui, dans la, je sais plus où, en tout cas, il le rencontre, et ils vont échanger un peu, il va dire, qu'est-ce que tu deviens, comme quand on voit quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Il va dire, bah voilà, je suis marié, j'ai deux enfants, par exemple. Et ça te plaît? Bon, pas vraiment, mais enfin, tu sais, c'est la routine. Et l'autre va dire, bah, j'étais comme toi par le passé, et puis je me suis redécouvert parce que j'ai trouvé ma vocation. Et ma vocation, en l'occurrence, c'est passé par ce qu'on appelle le rebirth. Le rebirth, c'est un truc un peu énigmatique. Il lui expliquera pas vraiment ce que c'est. Il lui donne un Bristol avec le nom du club. Il sait pas trop ce que c'est. Voilà, il comprend que c'est un peu secret. Il va dire, rejoins-nous au rebirth, tu verras. Ça va te réinventer, tu seras différent lorsque tu sortiras de ça. Tu verras que tu seras plus le même homme. Il va hésiter un peu, et puis finalement, il va prendre rendez-vous pour aller voir ce que c'est que ce rebirth. Et est-ce qu'effectivement, il peut attendre quelque chose qui pourrait lui permettre de s'épanouir en tant qu'homme et de découvrir ou de redécouvrir sa vraie nature. Et finalement, une fois qu'il aura pactisé et qu'il aura signé un papier ou qu'il aura donné son accord verbal, il va arriver dans ce club qu'on nomme le rebirth, et il va comprendre qu'il ne contrôle plus rien. Que comme lors d'une initiation maçonnique, où on masque les yeux de ceux qui veulent être initiés, donc les francs-maçons qui rentrent en franc-maçonnerie, vont ramper comme ça avec un masque sur les yeux, et bien lui c'est un petit peu la même chose. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'on lui propose, et il va découvrir un tout nouvel univers dont il ne peut même pas imaginer qu'il pourra en trouver la porte de sortie. Et on bascule dans un truc entre la science-fiction, l'anticipation, un côté fantastique, horrifique, que j'ai trouvé plutôt habile, même si évidemment les commentaires sont très négatifs, que la note spectateur est très négative elle aussi. Il y a quelqu'un qui dit avoir trouvé des qualités du film, et moi j'ai bien aimé. Par moments il m'a fait peur. Peur, j'explique, parce qu'en fait je me plaçais à la place du personnage, et que je détesterais complètement être dans cet état d'instabilité psychologique. Je détesterais d'imaginer des portes où je ne sais pas ce qu'il y a caché derrière, d'entendre des choses qui m'effraieraient profondément, et de ne pas comprendre les règles de ce jeu qu'on m'impose. Parce que quelque part, Rebirth, c'est une forme de jeu auquel il a dit oui en disant « Ok, je veux bien venir ». Après, il est trop tard. Il ne peut plus reculer. Il est obligé de faire ce jeu et d'aller au bout de ce que proposent ses interlocuteurs. Et j'ai bien aimé Rebirth, mais je l'ai vu une fois, je pense qu'il ne faudrait pas que je le revoie, et je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, il y a parfois comme ça des films qui viennent nous interpeller, qui bousculent nos croyances de spectateurs, comme a pu l'être à une autre époque, et dans un style nettement plus ambitieux, Fight Club. Des moments de cinéma où nous aussi, on progresse à tâtons. Et on ressort relativement déstabilisé de l'expérience que l'on vient de vivre. Sans toutefois ne pas minimiser toutes les carences du scénario. Le prochain film est Salaud on t'aime. Et de quoi ça parle? Eh bien ça nous parle d'un photographe de guerre, qui est joué par Johnny Hallyday, qui est un père relativement absent, qui s'occupe davantage de son appareil photo, il a une passion pour la photo, de sa compagne. Il a une compagne, il vit dans les Alpes, un petit peu reculé de tout. Il a quatre filles, cependant, qu'il a nommées comme ça de façon poétique, mais aussi très détachée à mon sens, par les noms des saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Évidemment, ces filles sont le fruit d'une saison qu'il a rencontrée à telle ou telle époque. Et puis... son ami, qui comprend que bien, ses filles aimeraient voir davantage leur père, un ami de la famille, de Johnny Hallyday, donc, qui est joué par Eddie Mitchell, on retrouve vraiment une vraie histoire d'amitié dans ce film, va mettre en place quelque chose afin qu'ils se retrouvent tous ensemble pour communiquer, pour se redécouvrir, pour apprendre à se parler enfin, parce que les filles ont quand même pas mal de rancœur par rapport à leur père, qui n'ont pas bien connu pendant l'enfance, qui était un homme assez détaché, comme je le disais. Et l'envie qu'ils partagent ensemble un moment, tous ensemble finalement autour d'une table comme ça, de se retrouver, de parler de qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu rêves de faire, qu'est-ce qu'on peut avoir en commun malgré les désaccords qu'on a.
Et c'est une belle réussite que ce film de Claude Lelouch, puisque c'est un film de Claude Lelouch. Et c'est aussi un très très bon rôle pour Johnny Hallyday. J'ai trouvé ce film touchant, beau, c'est un film familial. Il y a quelques clichés, mais néanmoins, ils sont pas complètement. C'est pas vraiment des faux raccords. Il a été mal évalué par les spectateurs, qui lui donnent la note de 2,9. Il a été mal évalué par la presse, qui lui donne la note de 2,8. Mais clairement, je ne pensais pas avoir un jour un film de Johnny Hallyday où j'irais pleinement que je l'ai aimé. Et j'ai vraiment trouvé ça excellent. Je me rappelle de lui, son personnage. Je me rappelle de son bon poteau Eddie Mitchell, des soirées qui vont passer ensemble, à se raconter des trucs, autour d'une bonne bouteille de vin. Je me rappelle des filles, évidemment de cette complexité, d'avoir un père comme ça, tellement différent. Enfin, je trouve que c'est une belle œuvre de cinéma, trop méconnue. Et donc, je vais passer à ma conclusion. Claude Lelouch, parfois, offre des vrais moments de grâce. Et c'est le cas avec ce présent film. Un vrai moment familial, avec tout ce que ça peut comporter de complexité. Avec un rôle marquant pour Johnny Hallyday. Mais tout le casting est à saluer. Et c'est une œuvre qui, sans le savoir, a désormais le statut de film culte. Le prochain film est La La Land. Et j'étais en train de réfléchir si je devais en parler ou pas, parce que moi je l'ai vu à un moment où il n'était pas connu du tout. Et lorsque je l'ai vu, et je savais que ce film buzzait, je me suis dit, on a là une œuvre majeure. C'est un film qui m'est marqué, j'attendais rien de ce film, je l'ai lancé, et puis, comme tout le monde, à la fin j'ai dit, waouh, quand même. Belle mélodie, histoire intéressante, avec des retournements de situation complexes, une œuvre dense, et donc du coup, à l'époque, j'avais eu envie d'en parler, j'avais envie de le retranscrire, et finalement, donc, je dois parler de La La Land. De quoi ça parle? Ça parle de... On est au cœur de Los Angeles, on a une actrice qui se nomme Mia, qui est plutôt douée, je trouve qu'elle est plutôt douée dans... Elle pourrait être une bonne actrice, sauf que là-bas, à Los Angeles, ça pullule l'actrice, et que donc, elle n'est qu'une une parmi tant d'autres, finalement, elle n'arrive pas à percer réellement, elle fait plein de casting, mais ça ne marche pas. Donc en attendant, elle sert des cafés, elle fait des petits boulots, des petits jobs, pour quand même pouvoir payer tout simplement son loyer. Je pense qu'elle est. Peut-être qu'elle vit chez ses parents, je ne sais plus trop. En tout cas, il lui faut de l'argent pour vivre. Et puis de l'autre côté, on a Sébastien, qui est un jeune homme passionné de jazz, qui joue du piano, mais là encore, il n'est pas vraiment reconnu. Des fois, il y a des repas ou des mariages et autres, et il joue. Et personne ne l'écoute vraiment jouer. Il est talentueux, il est doué. Mais encore une fois, dans cette grande ville qui a tendance à dévorer les âmes, personne ne l'aperçoit vraiment. Et puis, les deux vont se rencontrer. Il va y avoir une espèce de fusion entre les deux, parce qu'ils sont romanesques, parce qu'ils ont ce côté artistique, évidemment, la fibre artistique. L'un est musicien, l'autre veut être comédienne, et les deux d'ailleurs sont. L'un, on pourrait dire qu'il est musicien, que l'autre est comédienne. Et donc, évidemment, ça leur fait un point commun. Et va commencer une relation affective et amoureuse. Très classique, car ce film est d'un classicisme incroyable. Mais c'est ce qui a plu en fait à beaucoup. Moi notamment, ce film, il y a beaucoup de scènes qui m'ont rappelé Les Parapluies de Cherbourg. Et je pense que c'est vraiment voulu. C'est comme un hommage à toutes ces comédies musicales d'antan. Et on retrouve comme ça des choses qui peuvent sembler désuètes dans Les Parapluies de Cherbourg. Quand on le revoit, il y a des moments où on se dit... On peut penser comme ça, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il y a des morceaux qui sont magnifiques dans cette comédie musicale. Mais en même temps, ça plaira pas à tous les publics, c'est quand même réservé à un public de niche. Et la force de La La Land, c'est que ça nous propose... Il y a écrit comédie musicale, mais à mon sens, ça ne l'est pas vraiment. Ils vont parfois communiquer comme ça, se répondre par des chants, par des musiques... Alors que, effectivement, dans les pages de Cherbourg, c'était en permanence. Il n'y avait que du dialogue, parler, chanter. Donc c'est particulier. Vous allez au boulanger, bonjour, je voudrais du pain. Vous voulez du pain chaud ou du pain froid? C'est comme ça pendant tout le film, ça peut vraiment déstabiliser. La La Land, c'est quand même moins perché, j'ai envie de dire, moins élitiste. Et donc, il y aura des beaux moments musicaux, il y aura des belles mélodies, des trucs qu'on va retenir, des chants. Mais ça n'est pas une vraie comédie musicale, ou en tout cas, peut-être que Les Parapluies de Cherbourg n'était pas une comédie musicale, mais un film musical, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour moi, c'est ça une comédie musicale, c'est un film où les personnes échangent en chantant,
Et bien là, il y aura des moments musicaux, mais il y a aussi toute la trame scénaristique. Et donc, il y aura beaucoup de dialogues aussi. Ce qui fait qu'on n'est pas totalement perdu dans un univers qu'on ne peut pas comprendre. Et bien que ce film est aussi d'un grand classicisme, j'en ai parlé à une amie qui est jeune, qui a 20 ans et quelques, qui me dit, ouais, bof, genre de truc, j'aime pas, ça va chanter beaucoup, j'aime pas les comédies musicales. Je lui dis, ouais, mais regarde-le quand même. Certes, je peux pas te mentir, il y a un aspect comédie musicale. Mais ça n'est vraiment pas que ça. Et après l'avoir vu, elle m'a dit, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé La La Land. Mais en même temps, il semble qu'elle n'est pas la seule et que je ne suis pas le seul. Il a été tellement salué. Il y aurait des tas de choses à dire. Le rôle de Ryan Gosling, qui enfin montre qu'il est capable, bien que moi j'en ai jamais douté, de sourire, de douter, d'être dans un côté un peu plus dramaturge, mais aussi de chanter. Je ne suis pas sûr qu'il chante vraiment. Si, je crois que pour son rôle, il a appris à jouer du piano. Et je crois, je m'avance pas trop, qu'il a appris à chanter vraiment. Et que donc il chante dans ce film, que ce soit Mia, qui est jouée par, je me trompe toujours de nom, donc je vais essayer de dire le bon, Emma Stone ou Ryan Gosling. Ils ont vraiment pour ce film donné beaucoup d'eux. Et ça se ressent, et c'est un beau film, et c'est un film qu'on peut écouter, et c'est un film qui donne la pêche. Pas totalement, mais c'est un beau film romantique, qui donc dépasse le cap de la comédie musicale. C'est un film où on ressort, on a envie de chanter, on a envie d'aller sur Spotify, de continuer. On peut l'écouter. C'est un film qui donc continue à vivre après qu'on l'ait vu. Et c'est La La Land, tout simplement. C'était cette audace de Damien Chazelle de nous proposer ça. Après avoir fait un autre film sur la musique, mais très différent, Whiplash, c'était audacieux, parce qu'il n'était pas évident que ça marcherait, mais récompense quand même 23 prix et 21 nominations. Je pense que je ne vais pas donner de conclusion sur ce film, tout le monde l'a vu depuis, ou à part ceux qui vraiment ne voulaient pas le voir. Il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. C'était la comédie musicale de cette année-là. Il le restera encore pour pas mal d'années. C'est un film qui, effectivement, se basait sur des classiques. Mais dans ce grand classicisme, il a quand même su réinventer des choses. Les rôles sont excellents. Le parti pris de faire jouer les acteurs, de les faire chanter, là aussi, enfin, tout est à saluer dans ce film. Il y aurait évidemment des défauts à mettre en avant, mais il faut rester émerveillé devant ce film. Il faut rester sur cette belle histoire d'amour, complexe histoire d'amour. Il faut garder d'abord ce que ce film nous donne quand on en sort. Et quand on en sort, on est quand même habité par quelque chose. Par cette belle histoire, par des mélodies qui vont nous marquer plus que d'autres. J'ai une mélodie en tête que j'ai aimée beaucoup. Quand on aime la musique, quand on aime le milieu du artistique, tout simplement, puisqu'elle est comédienne, eh bien, je pense qu'on ne peut qu'aimer ce film, La La Land. Le prochain film est The Fundamentals of Caring. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un homme dont on n'a pas le nom sur Allociné, donc ce sera le monsieur anonyme, qui a des galères dans sa vie. Avec sa femme, c'est complexe. Il est dans des papiers du divorce. En même temps, il ne veut pas vraiment les signer. Il ne sait pas comment faire. Il est en galère d'argent. Et du coup, un jour, il va avoir une offre d'emploi. Il se dit qu'après tout, pourquoi pas essayer? Évidemment, a priori, il ne correspond pas du tout au profil. Il va aller à l'entretien, il va se retrouver face à une mère de famille qui va lui poser des questions, qui va dire, est-ce que vous avez déjà travaillé dans le milieu médical? Est-ce que vous avez déjà eu ce type d'expérience? Il va être honnête, il va dire non. Mais je pense que je peux m'adapter, je pense que je suis capable. Peut-être parce qu'un jour j'ai des tel ou tel voisin, ou que je suis quelqu'un de. Je pense être généreux, j'ai les qualités pour. Et donc la mère va dire, bah, on peut faire un essai. Mais je vous préviens, mon enfant qui s'appelle Trevor, je crois que c'est le seul élément dont je me rappelle, est un garçon complexe. Il est handicapé, il est en fauteuil roulant. Néanmoins, c'est pas ça sa complexité, c'est qu'il est, c'est quelqu'un d'assez dur, d'assez insensible. Il a un humour très particulier. Et donc, avant de travailler pour moi et pour lui, il va d'abord falloir que vous fassiez accepter par Trevor, ce qui n'est pas gagné du tout. Et cet homme qui n'a rien à perdre et qui découvre là, pourquoi pas, un beau challenge, va accepter de s'occuper de ce gamin qu'à 16 ou 17 ans, et qui effectivement a un humour très cynique, très grinçant, qui va même déstabiliser peut-être certains. Il parle beaucoup de sexe, il a l'air un peu omnibilé par la chose, il est très cynique.
évidemment, cache aussi des parts d'ombre, des caches de, des parts de... Il n'a pas d'amis, il rencontre personne, il est un peu enfermé dans son truc. Et ce personnage dont j'ai pas le nom, cet homme, l'adulte, l'homme mature, va essayer, encore une fois, un peu comme dans l'autre film dont j'ai parlé tout à l'heure, de montrer que c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant que notre vie est finie. Et il va essayer de l'émanciper de quelque chose, en déjà lui redonnant goût à la vie, parce qu'il aime bien son humour, parce que la plupart ils ont un petit peu le même humour, il va apprendre à le comprendre, et puis il va lui dire que la vie ça peut être autre chose, et il va comme ça changer les habitudes de Trevor, de sa mère, dire est-ce qu'on pourrait pas penser autrement? Toujours chez soi, comme ça, en fauteuil roulant, c'est peut-être pas agréable, est-ce que je peux l'emmener à tel ou tel endroit? Enfin voilà, ça devient une espèce de road movies. Avec ce personnage qui va devoir apprendre, Trevor en l'occurrence, qui va devoir apprendre à faire confiance, tout comme l'homme adulte, dont j'ai pas le prénom, va devoir apprendre à se faire confiance lui pour se dire qu'il est capable de choses. Et donc ils vont se compléter tous les deux et se réparer tous les deux, tout simplement. Et je vais passer à ma conclusion parce que vraiment, vous voyez l'affiche hallucinée, elle est vide, elle est creuse, bien que la note spectateur est de 4 sur 5. C'est un film qui est sorti sur Netflix. Ce qui explique qu'il n'y ait pas de note presse. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus. La bande-annonce vous donnera beaucoup d'éléments du film. C'est plutôt une comédie, c'est plutôt drôle. Il y a aussi un côté dramatique. Ça a été sélectionné au Sundance Festival, donc encore une fois, ce festival que j'aime beaucoup. Et puis je vais donner ma conclusion sur ce film, The Fundamentals of Caring. Je ne sais même pas ce que ça veut dire du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça peut signifier. Donc voilà ma conclusion. Côté Verso, bien que sur une trame scénaristique très classique, The Fundamentals of Caring reste néanmoins une bonne surprise. Comme c'est parfois l'offrir Netflix. Ce film n'est certes pas une œuvre majeure, mais il restera malgré tout un agréable moment de cinéma. Le prochain film est Un moment d'égarement, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de deux amis d'enfance, Antoine et Laurent, qui sont des amis de longue date, qui décident de partir en vacances avec leur fille en Corse. Leurs filles ont respectivement 17 et 18 ans, donc Luna a 17 ans et Marie a 18 ans. Et un soir, sur la plage, alors que j'ai du mal avec les prénoms, c'est lequel qui n'a pas voulu venir, que Antoine a voulu rester à la maison parce qu'il est casanier, parce qu'il n'aime pas trop sortir, parce que c'était pas son truc, Laurent, qui est beaucoup plus jeune, part en boîte de nuit, et puis après à la plage, ils vont s'éterniser un peu sur la plage, avec Luna. Et malheureusement, avec l'alcool, avec le contexte, ils vont échanger un baiser. Peut-être que c'est Luna qui va aller vers je sais plus le prénom, je me perds dans les prénoms, c'est complexe. Mais en tout cas, Luna va l'embrasser. Évidemment, pour Laurent, qui est un homme de 40 ans, 50 ans, enfin, ouais, je pense 50 ans plutôt. Il comprend que lui avait trop bu, il comprend que elle aussi, évidemment, ça peut être qu'un truc passager. Peut-être même vont-ils coucher ensemble, c'est possible. Mais en tout cas, dès le lendemain, c'est le genre de truc qu'on sait qu'on ne fait pas ni à une gamine de 18 ans, ni à son meilleur ami. Pour lui, c'est oublié, tout est fini. Évidemment, il s'en rappelle, hein. Il n'était pas sous au point de ne pas s'en rappeler, mais c'est une expérience qui est finie, et voilà. Malheureusement, Luna, comme je le disais, eh ben, elle a 17 ans et pour elle, c'est pas un moment d'égarement. Et elle, elle est amoureuse. Évidemment, ça a créé ce contexte où, eh bien, dans cette maison familiale, va se créer une tension parce que Luna va tout faire pour rejoindre Laurent, pour lui dire combien elle l'aime, sous le regard, attristé de sa fille qui va comprendre quel jeu elle est en train de jouer. C'est pas simple comme ça de parler d'un film quand il y a autant de personnages, je me perdais complètement dans les prénoms, j'en suis désolé, mais en tout cas, Un moment d'égarement, c'est une très bonne comédie, dramatique, même si évidemment l'aspect sera plutôt mis sur la comédie, et qui pose des vraies questions, que je me suis déjà posées. Encore une fois, anecdote personnelle, j'ai des amis qui ont 50 ans et quelques, qui ont des filles qui ont 20 ans et quelques, qui sont des femmes, et un jour, sur un tableau, alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu mon ami, je ne connais pas bien leur fille. Je vois une photo et je dis, ah bah c'est ta copine. Et en fait, j'ai compris que non, c'était la fille d'un ami en question, qu'elle avait 20 ans et quelques,
Et on peut comprendre tout à fait, tout homme un peu sincère dirait que oui, on peut se retourner sur une jeune fille de 18 ans, on peut ne pas savoir qu'elle a 18 ans, on est attiré par les belles choses, tout comme elles sont attirées par les choses qui brillent, en l'occurrence un homme plus mature, et que ce genre de choses, ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est même pas... Là, si, c'est illégal parce que Luna a 17 ans. Enfin, à un an près, ça ne l'est plus. Mais ça remet en cause plein de choses. Moi, par exemple, je pourrais pas, même si, après, j'ai vu la fille, en l'occurrence, c'est une très belle jeune femme, je pourrais pas, par rapport à mon ami, c'est pas possible. Lui, il ne pourrait pas accepter que j'aille avec sa fille, et puis, bah, moi-même, c'est pas possible, quoi, au niveau éthique. Maintenant, elle a certainement 20 ans et quelques, hein. Mais même, enfin voilà, c'est une histoire d'amitié, c'est une trahison. Et puis en plus, dans ce contexte, c'est lequel qui est un peu strict. Antoine, c'est quelqu'un qui aime les valeurs sûres, qui est comme ça, c'est une vieille France, quoi. Il pourrait absolument pas comprendre que sa fille ait eu un coup de cœur pour son meilleur ami, et encore moins que son meilleur ami ait pu coucher avec sa fille ou même l'embrasser. C'est vraiment un monde qu'il peut pas comprendre. Et évidemment, il y aura secret. Où ils vont devoir cacher, en tout cas, surtout Laurent va devoir cacher un maximum cette idylle qu'il y a eu et qui pour lui était un truc d'adulte où il se dit voilà, c'était comme ça, je suis désolé, je l'ai fait, mais je m'en veux beaucoup, il faut que tu comprennes toi aussi qu'il faut qu'on s'en veuille beaucoup. Sauf que pour une gamine de 17 ans, c'est pas la même chose et qu'elle est déjà amoureuse. Et quand on replace les choses dans le contexte, on se dit qu'à un moment d'égarement, ça peut totalement arriver. Que c'est des histoires totalement probables, et que c'est des histoires qui, à mon avis, finiraient un peu de la même façon, en disant « Non, mais c'était une erreur, jamais on aurait dû, jamais. Je m'en veux beaucoup, je m'en veux. Attends, j'ai l'âge de ton père, la preuve. On a le même âge avec ton père, et puis c'est mon meilleur ami, et puis, oui, mais tout ça se mélange, et dans la tête d'une gamine, c'est très différent. » Donc, sur un sujet sensible, sur un sujet qui traite d'un vrai fait de société, quelque part, eh bien, malgré tout, ça reste une bonne comédie, agréable, bien enlevé, ben, un Vincent Cassel comme d'habitude excellent, un François Cluzet, j'ai plus de mal avec François Cluzet, je trouve qu'il a toujours des rôles un peu en retrait, je sais pas, j'ai du mal avec cet acteur, je l'ai vu dans plein de films, je trouve qu'il a toujours un peu les mêmes rôles, de bougon, mais autant Jean-Pierre Bacri est un bougon efficace, bon c'est comme ça, j'aime pas trop François Cluzet pour le moment, j'ai pas trouvé de rôle où il me parle vraiment, mais ça c'est propre à chacun. Et donc, je vais passer à la conclusion de ce film, tout simplement, parce que je pense que j'en ai déjà assez parlé. Côté verso, sur un sujet délicat, le réalisateur Jean-François Richer offre une comédie malgré tout divertissante, car c'est un film dynamique, avec des vrais relents de vacances. Même si malgré tout, on ressent toute l'amertume du sel de la mer et la complexité des très vieilles amitiés. Le prochain film est Habemus Papam, et moi dans le cinéma j'aime être déstabilisé, j'aime avoir des surprises. J'aime mettre un film quand parfois j'ai cette lassitude du cinéma, et ça arrive, et j'aime qu'on propose quelque chose qui est très différent. Et là en l'occurrence, ça l'est. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de... Il y a un pape qui vient de mourir, donc on doit élire un nouveau pape. On voit un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, le vote des papes entre eux, qui doivent élire un nouveau cardinal, et dehors, la foule qui attend la fameuse fumée blanche. Fumée blanche qui indiquerait que le pape a été élu, et donc ils attendent avec impatience que surgisse enfin cette fumée. Et puis finalement, cette fumée apparaît, donc le pape a été élu, il a été choisi. Seulement voilà, celui qui a été désigné n'accepte pas ce rôle. Il va être pris d'une espèce de forme d'angoisse. Peut-être est-il un peu dépressif, peut-être est-il, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il va prendre la porte de derrière et qu'il va prendre la poudre d'escampette parce qu'il ne se sent pas capable de devenir le pape qu'on attend. Il ne veut pas être pape, tout simplement. Il a été élu, mais lui, il ne demandait rien. Et à ce moment-là, il ne peut pas vraiment refuser. Et devant le fait accompli, eh bien, il décide de prendre ses affaires et de partir, de se protéger, de se cacher et de fuir comme ça dans Paris. Alors qu'évidemment, tout le monde le recherche, parce que évidemment, bah, il n'y a plus personne qui peut gouverner l'Église. Donc c'est surprenant ce film, c'est une comédie. Je vois que quand même la note presse est de 4 sur 5, donc il a été apprécié par la presse, et la note spectateur de 3,5.
sur 5. Certes, c'est du cinéma inhabituel, certes, mais c'est bien amené, c'est... Ouais, c'est une forme de comédie, et en même temps, c'est complètement déstabilisant. On imagine mal ce genre de situation, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé. C'est complètement fictionnel. Un pape qui est élu et qui refuse, et qui comme ça va aller partir, et qui va aller dans les jardins, et qui va jouer avec des enfants au football, enfin voilà, qui veut pas du tout assumer ce rôle. Le pape, c'est quand même pas n'importe qui, il est joué par Michel Piccoli. Le film est réalisé par Nanni Moretti, enfin voilà, c'est un beau film, Habemus Papam, c'est bien fait, ça montre bien le conclave. Le conclave, c'est l'endroit où donc il désigne le futur pape. C'est un univers que je connaissais pas, alors c'est certainement pas le vrai univers, hein, ça se passe pas réellement comme ça, mais en tout cas, c'est bien décrit. Et puis, pour ce style de cinéma totalement ovniesque, eh bien moi, j'ai envie de le saluer. Et donc, le film, c'est Habemus Papam. Et je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, il y a des films comme ça qui ne répondent à aucun code et qui ne semblent répondre à l'attente d'aucun public. Trop immoraux pour les uns, trop classiques pour les autres, il n'en reste pas moins que l'expérience cinématographique, elle, offre quelque chose de véritablement différent et que ses prises de risques méritent d'être saluées. Le prochain film est If You Love Me. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle des choses qu'on peut se dire sur l'oreiller. Ça parle de la sexualité et ça parle des sexualités. Donc, c'est un film, même s'il n'est pas écrit qu'il est interdit au moins de 12 ans, qui doit être interdit au moins de 12 ans. Parce que même si on ne verra pas vraiment de scène de sexe, ce film traite vraiment de cette thématique-là. Et on verra par l'espèce de sketch différents personnages, différentes galeries de personnages, avec des scénarios improbables, que ce soit le couple qui a besoin de se réinventer, qui se dit qu'après tant d'années, eh bien c'est complexe, ou un autre couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui du coup va mettre en place les choses pour que ça se fasse, ou d'un couple qui pense que le désir s'émousse et qu'un thérapeute va conseiller. Enfin voilà, on va avoir toute une galerie de personnages, super bien écrit. Même si évidemment les âmes les plus prudes seront dérangées par de nombreuses scènes où le sexe sera évoqué, pas montré, c'est pas un film pornographique ni un film érotique, hein, mais où on parlera des choses que l'on cache et qu'on dit qu'en secret ou bien effectivement qu'un thérapeute. Et j'ai vraiment bien aimé ce film, il y a beaucoup de gags en fait, où ça marche pas mal, où on va rire de nous-mêmes, de nos désirs, de nos pulsions. Et j'avais conseillé à quelqu'un qui un jour me dit, me parle d'une scène d'un film, et il dit, ah, j'ai pas vraiment aimé le film, et puis il me raconte la scène, et puis il me donne tous les détails, et puis il commence à être pris d'un fou rire. Il dit, ah, j'ai pas vraiment aimé le film, en fait, il se rappelait de tout, et de cette scène précisément, et c'était tiré de ce film If You Love Me. C'était moi qui lui ai conseillé. Et peut-être qu'il a été dérangé par certains aspects, mais en même temps, il m'a raconté cette scène, puis après il me dit, et puis il y a eu l'autre truc, là, avec l'autre. Par oui. C'est une espèce d'accumulation de gags, quelque part. C'est une espèce d'accumulation de scènes comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait un peu découper comme des sketchs, qui vont parler de notre vie intime. Alors, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours tendre, ça peut l'être. Mais ça peut être aussi le désir d'avoir un enfant. Ça peut être plus brutal, ça peut être plus bestial. Ça peut être tous les aspects de notre sexualité, de notre psyché. Et j'ai bien aimé ce film. Parce que moi, je pense qu'on ne doit pas mettre de tabou sur les choses. Qu'on doit pouvoir exprimer toutes les choses tant que c'est fait de façon habile et intéressante. Et c'est plutôt justement bien joué. En plus, nationalité australienne, c'est un film australien, c'est quand même pas commun, de réussir à faire rire avec ces petites choses secrètes qu'on devrait savoir cacher. J'ai vraiment bien aimé If You Love Me. C'est voilà, c'est trivial, c'est aimé. Arrêtez de vous mentir. Hein. Combien parmi vous sont asexués? Combien parmi vous sont asexuels? La sexualité fait partie de notre quotidien. On se pose tous des questions, on a tous des fantasmes, on a tous des placards où vous cachez mesdames, des objets, monsieur, des secrets. On a tous un internet avec un historique qu'on n'aimerait pas forcément révéler à tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Et ce film va parler de ça, de ces tranches de vie, de ces tranches de sexualité, et aussi de la complexité de cet amour, lorsqu'on passe de cet amour platonique ou lorsqu'on passe de l'amour romantique.
à la vraie relation affective entre un homme et une femme, qui, ma foi, n'a jamais été simple. Et je vais passer à ma conclusion. Pas facile de traiter ce film, hein, je vous le dis. Il vaut mieux le regarder que d'en parler. C'est beaucoup plus simple, mais la bande-annonce vous donnera quand même une bonne indication de ce que c'est, et vous verrez que c'est une comédie. Certes grinçante, mais ça aussi, on le voit dans la bande-annonce. C'est-à-dire que s'il y a des ligues catholiques derrière, ils voient la bande-annonce, ils vont dire non, je peux pas aller voir ce film, c'est immoral, ça me dérange. Si vous, la bande-annonce vous fait marrer, si ça vous appelle, c'est qu'a priori, vous ne serez pas choqué par ce que vous pourriez voir. Mais je le répète, c'est pas un film pornographique, hein, loin de là, ni un film érotique. Mais il va quand même questionner vos petits boutons le rose pour vous mesdames, vos petits parties intimes pour vous messieurs. Il va vous montrer du doigt les choses qu'on aimerait cacher secret et qu'on a fait pendant très longtemps, amenant les femmes à l'époque à l'hystérie féminine quand même. Je pense qu'il est mieux de parler de ces choses-là posément, parce qu'on a tous une psyché affective et sexuelle. C'est comme ça. Et je passe à ma conclusion. Côté Verseau, c'est un pari audacieux que de parler de ces choses sur un grand écran. Des choses qui pendant très longtemps se sont rendues en secret sous le manteau. C'est encore davantage un challenge quand le scénario est si bien écrit et qui nous offre de vrais moments d'humour. Et où un peu gêné, on apprend à rire vraiment de soi. C'est donc en quelque sorte libérateur. Et on ne va pas se cacher que vous aimez tous vous faire du bien.